Bon, c'est vrai que faire une intro à chaque fois, là je suis un peu en manque d'inspi. Donc je vais simplement dire que quoi est un gros p. On l'active ou pas les gars? On l'active ou pas? Yo les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Et aujourd'hui, on va aller voir ensemble le test 100% de la PAN-LR. Clairement une des meilleures unités gratuites du jeu. Elle est vraiment incroyable. Donc on va aller faire un test ensemble. Mais avant ça, ses stats, donc on voit qu'on a 19 788 en HP, ce qui est plutôt très bon. Alors en attaque on a 13 974. Ouais c'est quand même pas mal pour une unité. Sachant que son but de base c'est pas du tout de faire des dégâts, mais plutôt de heal et de tanker. Et au niveau de la défense on a du 10 999. Bon ça non plus c'est pas ouf ouf, mais bon ça va passer, c'est surtout son passif qui nous intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça ferait grave plaisir les frérots. Et donc juste avant le test on va aller sur le Wikia, tout simplement, je vais vous montrer deux petites secondes pourquoi cette unité est très intéressante avant de faire ce test très rapidement. Donc, ce qui nous intéresse ici, comme je disais tout à l'heure, c'est pas son leader. Son leader, il va nous faire récupérer 3333 PV par sphère de ki du type du personnage récupéré. Mais ça, c'est pas en gros. Si vous avez un personnage puits, à chaque fois que vous allez prendre une boule de ki puits, vous allez récupérer 3333 PV. Mais c'est pas ça qui nous intéresse du tout, c'est surtout son passif qui fait récupérer 33% des dégâts infligés en HP, donc en PV, en points de vie. Et en plus, grande chance de réduire les dégâts subis de 55%. Donc c'est vraiment excellent. Les grandes chances normalement c'est entre 50 et 75. Je sais pas exactement, s'il y en a qui savent précisément dans les commentaires, n'hésitez pas à le dire, parce que c'est vrai que les intitulés des cartes sont pas très précises sur Dokkan. Sur l'aptitude, donc la nouvelle aptitude qui sort pour les 4 ans, on va avoir l'active skill, on va avoir donc 33% d'attaque pour les alliés. Donc dès que vous allez l'activer, tout le monde va gagner 33% d'attaque. C'est quelque chose qui peut être activé à partir du troisième tour. Donc pour les catégories, rien d'intéressant excepté Saiyan 200 mêlée. Bon, chercheur de Dragon Ball, c'est un truc plutôt fun. Généalogie Sangoku, c'est un lien qui est pas encore sorti. Enfin, qui est sorti mais dont on n'a pas encore le leader. Donc ça sera sûrement le Goku SSJ4 des 4 ans qui va être le leader de cette catégorie. Au niveau des liens, on a Innocent qu'on peut noter, ainsi que pouvoir légendaire vu que c'est un LR. Mais bon, c'est vrai que le reste est un peu plus dur à proc à part GT. Et du coup, on va aller la tester tout de suite sur le boss rush sans perdre de temps. Donc voici la team avec laquelle on va partir. On va partir en double Gohan Ultimate, tout simplement parce qu'il donne 130% d'attaque et 170% de PV et de défense pour les alliés de la catégorie Saiyan 200 mêlée, dont Pan fait partie. On va partir avec un Gohan LR parce qu'il fait partie de la catégorie et qu'il a bien pouvoir légendaire en commun avec Pan. On va partir avec la Pan N parce qu'elle a Innocent et elle se lie très bien avec la Pan LR. Et puis bien sûr, en ami, un Gohan Ultimate. On a pris deux slots de libre. Pourquoi? Tout simplement parce que on va voir la régène à son maximum, combien on va infliger. On va prendre des Cyberman pour qu'il nous inflige le plus de dégâts possible et qu'on voie le maximum de dégâts. Du coup, c'est parti, let's go. On va tester ça sur le boss rush. Cette nouvelle unité, je me demande avec le Goku comment elle va être. Parce que c'est vrai qu'elle est très très intéressante. Son but, c'est clairement pas de faire des dégâts. Mais on va heal vraiment énormément d'HP avec. Je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on se heal au moins du 150 000. Genre vraiment. Je suis pressé de voir les dégâts qu'elle va faire. Donc bien sûr, la Pan End est un support. Donc on l'a pris aussi pour ça. Alors là, on a un Saibaman qu'on va essayer de placer à la fin. Bon, ici, c'est pas très intéressant au niveau des cartes qu'on a. Ce tour-ci va passer à la trappe. Donc, cette pan dans la team, en tout cas, tout ce qui est les boss rush, enfin les boss rush, les battle road, elle va être super intéressante et c'est vraiment une unité à ramener en tout... en toute occasion, c'est vraiment une unité à ramener en toute occasion. Là, on va voir la petite pan LR. On va pas pouvoir partir en SP ultime, malheureusement. Donc, elle est SP 20, bien sûr. Bon, on va pas pouvoir partir en SP ultime. C'est clair qu'on va pas pouvoir partir en SP ultime. On va prendre ça comme petit pour commencer. On va voir sa défense. Sachant qu'il y a deux Gohan, donc elle est en 111 000 de défense à 100%. C'est assez vénère, mais on a deux Gohan, donc 50% de boost chacun. Qui donne donc c'est ça qui donne cette défense là. Si elle aurait 111 000 de base, ça serait beaucoup trop beau. Donc on remarque aussi qu'à part Haki plus plus 8, Haki plus 8 à part en SP, enfin Haki plus 9. Oula, du 654 000, du 654 000.
Donc 33% en CI du 200, du 215 000, quelque chose comme ça. Ce qui est plutôt énorme. 200 000. Vous imaginez 200 000 HP de régène? C'est assez vénère ça, 200 000 HP de régène. On l'active ou pas les gars? On l'active ou pas? Pas le placer là, pourquoi? Tout simplement parce que si on le place à la fin, il va se prendre 2 coups, certes, mais il va revenir que dans 2 tours. Et moi, je vais me prendre le maximum de coups. On est un peu sado sur ces games. Ah bah, voilà! Une petite spé. La première fois que ça me fait plaisir de prendre du spé, je pense. Donc, on a 260 000 HP, mais la team, évidemment, elle est remplie de Cyberman, donc faut mieux pas regarder ce genre de choses. Ok, donc, on a l'active skill. On a l'active skill qui est prêt. On a l'active skill qui est prêt. Alors, comment on l'active? On va rester appuyé dessus. Ah, voilà, c'est comme ça. Non, on va attendre parce que il faut qu'on ait l'autre pan. Enfin, quoique, non, on va l'activer. On va l'activer rien que pour voir. On va l'activer rien que pour voir la petite animation. Oh là 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 là. C'est tellement stylé en réalité. C'est tellement stylé. Bon, on va la placer là. C'est vrai que niveau ki, par contre, c'est la hesse. Hein. Niveau ki, on va pas se mentir, c'est la hesse. Ça pourra quand même partir en spé. Mais notre but, ça va être bien sûr de partir en spé ultime avec. Bon, voilà, on se prend pas grand chose. On monte à 417 000. C'est vrai qu'on a pas. On a presque rien, je crois, d'activer. 187 000 contre le mauvais type. Donc, bon, là, c'est sûr que les dégâts sont pas au rendez-vous. Mais en même temps, vu sur quoi on a tapé, c'est un peu normal. Je suis surtout pressé de la test. De la test en critique avec la pan. De la test en critique avec la pan pour voir combien on va infliger. Bon, on est full life, hein, presque. On est presque full life comme vous avez vu alors qu'on a tapé sur le mauvais type. Et en plus on l'a stun. C'est vrai qu'elle a une certaine chance de stun. Je crois qu'il est autour de 20% voire 25%. Qui est notable. Donc on va mettre le Gohan LR pour se prendre des coups. Décidément cette game là ça va être la game. On va essayer de se prendre des coups un maximum. Hop, on va partir en spé comme ça. Et là on va déjà avoir un lien de plus d'activé qui est pouvoir légendaire. On va se prendre une spé donc. On va se prendre une spé, on va pouvoir avoir la régène. Du petit 25 000. Bon ça c'est les premiers events hein. C'est sûr qu'ils font pas beaucoup de dégâts. Mais en même temps ils ont pas de barrière donc ça va permettre de voir quand même des dégâts qui sont assez impressionnants. 381 000 de valeur d'attaque. La double attaque. Ouais, en plus de ça imagine elle vous fait une double attaque. Parce que faut pas oublier qu'on peut la mettre à 100% très facilement. Comme c'est une unité gratuite. Donc bien sûr faut avoir les armes. Mais on peut la mettre très facilement à 100%. Et ça fait qu'on peut débloquer plutôt facilement l'attaque supplémentaire et le coup critique. Sachant qu'en plus elle est de type puits. Ça veut dire qu'elle a déjà 5 de coups critiques de base avec l'arbre gratuite. Donc ce qui fait 10% de critique. Et sur son passif qui est de régène selon les dégâts qu'on fait. C'est vrai que c'est très très fort. Donc avec l'attaque supplémentaire plus ça vous avez vraiment moyen de mettre d'énormes dégâts. On va mettre la pan au milieu. On va mettre la pan au milieu. J'aurais dû garder l'active skill du coup. J'aurais dû garder l'active skill, c'est pas grave. L'active skill qui donnait 33%. Alors, est-ce qu'on va pouvoir partir en spé ici? Je crois. Il y a pile assez, je crois. Spé ultime, spé ultime, spé ultime. On est à spé ultime, donc l'active skill qui a rajouté 33%. On va rajouter avec l'item présentateur, donc ça va nous rajouter 30%. Bon, il manque 3%, mais c'est pas très grave. Sachant aussi qu'il y a le boost de la pente, donc cette pente booste l'attaque. De 25% quand même par en spé des alliés après si je me trompe pas. Alors on va voir la valeur d'attaque. Oh on se prend encore une spé. D'ailleurs ok. Donc là il nous reste 150 000 HP je pense. 812 000 de valeur d'attaque. Alors là si tu me fais un creep. Oh là 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 spé ultime. Oh là là. Elle est rapide mais elle est vraiment jolie. On avait du 800 000 de valeur d'attaque en critique. On aurait touché le 1 500 000. Et vous imaginez 1 500 000 on serait hit du 500 000. Ça aurait été juste... N'importe quoi en fait, juste n'importe quoi. Sachant qu'on a un boost de 130% d'attaque, hein, faut le rappeler. On a seulement un boost de 130% d'attaque. Bon là on avait tous les liens d'attaque d'activer. Clairement on était full boost là. C'était vraiment full boost, mais full boost légit. J'ai mis l'item, mais l'item en gros il servait à pallier le fait que j'avais déjà activé l'activé skill avant. Parce que on avait envie de voir le petit activé skill. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Du coup on prend pas mal cher. 85 000 HP. Bon, vous voyez, là, on a 85 000 HP. Du coup, on va voir de combien on va se heal.
Alors, est-ce qu'on peut partir en spé-team? La réponse est malheureusement non. La réponse malheureusement est non. C'est bien dommage. Bon, après, bon, j'ai vraiment pas eu de chance au niveau des clés quand même. J'ai vraiment pas de chance au niveau des clés. Mais bon. C'est pas trop grave. Avec un seul Gohan, on est donc à 100 000 de défense. Quand même, elle est assez solide niveau défense, ça. Elle est aussi solide, sachant qu'on va la jouer dans une team métisse la plupart du temps. Donc, il y aura le Gohan. La pont support est dans le tour aussi, faut pas l'oublier, qui donne 30%. Enfin, quoique, non, là, en fait, faut avoir plus de 30% de PVC. Je pense que son passif est activé, clairement. Ouais, du coup, c'est les teams où on le joue, tout simplement. Donc, normalement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Alors là, ça se trouve, on va mourir. Comment ça serait catastrophique de mourir ici. On va partir en Dokkan Mode au tour d'après. Donc, on va quand même mettre un petit Senzu. Pour montrer Dokkan Mode au tour d'après, on va essayer de préparer les ki. Mais les ki sont vraiment. C'est les ki de la misère là. C'est vraiment les ki de la misère. Ah, il est stun. Bon, il est stun. Première spa avec Gohan. Oh là, hop. Mais c'est vrai qu'elle stun assez souvent quand même. Hein. Là, ça me. Je suis assez impressionné quand même. Elle a stun quand même pas mal de fois. Donc, on va voir la première. On a bien 6 de ki. Et c'est parfait. On va pouvoir partir en spé ultime. Est-ce qu'on a le Dokkan Mode? Magnifique! Non! On a le Dokkan Mode sur la mauvaise. On a le Dokkan Mode sur la mauvaise. Petite coupure. Non, ça marche pas. Bon, on a lâché le Dokkan Mode sur la mauvaise du coup. On a lâché le Dokkan Mode sur la mauvaise malheureusement. Alors ça, c'est le pire fail de la vidéo. Ça, c'est le pire fail de la vidéo. Mais en fait, c'est un peu bête parce que je voulais partir en spé avec. Et avec la plus grande valeur d'attaque possible. Et forcément, je me suis dit que la spé d'avant. Donc on a du 600 000 en valeur d'attaque. Allez booster l'attaque. Toujours pas de critique. Bon, vous savez quoi? Je vais faire une petite coupure et je vous remettrai la pan avec le critique. A tout de suite. Allez, on espère que cette fois c'est la bonne. Si vous la voyez, c'est forcément la bonne. On a. Ah là, le kiff fait plaisir. Là, le kiff fait plaisir. Là, ça serait vraiment le moment de critique. Là, ça serait vraiment le moment de critique. On a la rotation parfaite. Avec tous les liens d'activés. On monte à combien de valeur d'attaque? Sans artifice, 746 000. Franchement, très très bonne unité. Ah, le critique. Oh là là, le critique à 1 million 4 sans item. Avec un support qui la pend. Mais franchement, elle va de pair avec, je trouve. Et vraiment incroyable. Ici, on serait heal du 500 000. Juste incroyable. Donc, excellente unité à tank. Elle heal. Elle a l'activé skill qui booste ses alliés. Donc premier perso du jeu à avoir l'activé skill, ça fait plaisir de l'avoir testé en vidéo ici. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé les frérots. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu, ça ferait plaisir. À vous abonner, bien sûr, si c'est pas déjà fait, hein, ça permet de soutenir la chaîne et d'aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas, ça prend 5 secondes. N'hésitez pas aussi à aller sur le lien du YouTube, comme ça on pourra plus invoquer, on pourra faire des trucs sympas. Ça prend 5 secondes aussi, voilà, tant qu'à faire. Je vous fais plein de bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu sincèrement. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao l'équipe, ciao.